Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce point de presse opérationnel sur la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 dans le canton de Vaud. Aujourd'hui, je suis accompagné par le chef d'état-major cantonal de conduite, monsieur Denis Froidevaux, par le commandant de la police cantonale, Jacques Antonon, et par le divisionnaire Yvon Langel, commandant de la région territoriale 1. Pour démarrer ce point presse, je vais faire un rapide aperçu de la situation épidémiologique et sanitaire dans le canton. Nous comptons à ce jour 4 966 cas de personnes contaminées par le Covid, cas positifs, sur un total de plus de 27 700 en Suisse. On constate toujours sur ce tableau cette répartition qui ne change pas depuis quelques jours, avec plus de 2/3 des personnes contaminées qui ont moins de 65 ans. Si l'on prend maintenant le tableau des hospitalisations, on totalise 249 personnes hospitalisées à ce jour dans les différentes cliniques et hôpitaux du canton, dont 57 qui sont aux soins intensifs. On voit une légère diminution du nombre d'hospitalisations et du nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs. La répartition dans les différents hôpitaux, si la majorité des cas sont actuellement, que ce soit aux soins intensifs ou aux soins aigus, aux CHUV, on voit qu'on a toujours un nombre important de patients qui sont hospitalisés dans les différents hôpitaux régionaux du canton, ainsi que dans les cliniques qui ont également mis des lits de soins intensifs à disposition du dispositif sanitaire, un dispositif sanitaire qui n'est en l'état pas en état de surcharge et qui peut faire face au nombre d'hospitalisations. Si l'on prend maintenant le nombre de décès, nous sommes à 298 personnes décédés à ce jour en lien avec le Covid sur les 1 140 personnes décédées en Suisse, avec cette fois une proportion qui s'inverse, puisque le 80% des personnes décédées ont 75 ans et plus. Voilà pour ce rapide bilan. Les chiffres détaillés et complets se trouvent toujours sur notre site vd.ch coronavirus. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole pour la suite des présentations au chef de l'EMCC, monsieur Denis Froidevaux. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais faire un tour d'horizon sur la situation passée et quelques éléments sur la situation à venir. Tout d'abord, pour ce qui concerne la période écoulée depuis la fin de la semaine dernière, nous avons eu un week-end relativement tranquille. Le commandant de la police cantonale vous donnera les chiffres. Avec un effectif policier de 525 engagés, c'est légèrement plus bas que les week-ends précédents. 841 personnes de la protection civile, c'est relativement stable et c'est principalement dans le domaine de l'appui aux EMS et dans les missions logistiques. Les autres personnes qui figurent sur ce slide continuent à œuvrer au profit du dispositif de façon à ce que celui-ci fonctionne. Nous sommes maintenant, après 6 semaines d'engagement, à une phase de stabilisation de ce dispositif, avec également l'engagement de 96 soldats sanitaires. Ça sera détaillé par le commandant de la division territoriale 1. Pour ce qui concerne les commerces, je tiens à dire qu'il y a une nette amélioration depuis le week-end de Pâques en termes de maîtrise des flux, de nombre de personnes, des mesures d'hygiène dans les commerces. Et je tiens à saluer les efforts qui ont été consentis par les différents distributeurs. La Task Force Police du Commerce, qui a été constituée dans le cadre de ce dispositif et qui regroupe environ 20 entités partenaires dans le canton, c'est-à-dire la police cantonale du commerce et les polices communales ou régionales du commerce, ont effectué durant la dernière période environ 300 contrôles. Ces derniers ont permis de procéder à des rappels à l'ordre concernant le nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les commerces, les mesures de distanciation, les mesures de désinfection des chariots, etc., etc. Il y a eu une dénonciation pour un restaurant qui pratiquait la vente à l'emporter et dont malheureusement les clients consommaient sur place. J'aimerais dire ici que, s'il te plaît un petit instant, il y a un gros défi qui nous attend à partir du 27 avril avec la réouverture d'un certain nombre de commerces tels que l'a décidé le Conseil fédéral. Et c'est clair qu'on va probablement assister à une sorte de ruée dans les commerces. Je pense ici au Garden Center,
aux magasins de bricolage, voire même aux autres commerces, et j'en appelle évidemment au sens des responsabilités de chacun pour respecter les normes de sécurité, ainsi qu'aux commerçants pour faire appliquer les règles et les directives de l'OFSP. Et toujours concernant le point des commerces, il y a actuellement un léger flou qui s'est installé suite à la conférence de presse de cet après-midi de l'Office fédéral de la santé publique et des différentes entités au niveau de la Confédération. À une question qui portait sur l'ouverture variable des commerces, c'est-à-dire ce fait qu'on autorise certains commerces à ouvrir le 27 et d'autres au 11 mai, il a été donné une réponse qui est la suivante. À une question concernant l'ouverture du magasin, il est répondu que cela variera d'un commerce à l'autre et que ce sont les cantons qui auront le dernier mot. Donc ça, c'est un élément nouveau qui est sorti de cette conférence de presse de cet après-midi de la Confédération. Nous sommes en train de chercher qu'est-ce que ça signifie exactement. Les cantons auront le dernier mot et on aura l'occasion certainement de donner plus d'informations dans les heures et les jours qui viennent. Pour ce qui est des restrictions et du respect de celles-ci et des points d'attention, on peut dire que de manière générale, ce week-end s'est déroulé de manière assez calme, avec une sorte de normalisation du dispositif. Néanmoins, il faut relever, on constate une certaine impatience dans la population qui se fait ressentir, une certaine, peut-être pas agressivité, mais en tout cas véhémence à ce que ce dispositif avance et les gens, sachant qu'il y a une perspective d'allègement et d'assouplissement le 27 avril, ont tendance à vouloir aller plus vite que la musique. J'aimerais aussi ici en appeler à chacun de respecter les directives et les règles de distanciation et les règles d'hygiène. Les points d'attention qu'on a pu relever durant le week-end, c'est la question du respect de l'environnement dans sa définition la plus large. On assiste vraiment ici à une pression dans les zones qui sont autres que les zones urbaines, avec comme effet du littering, des déchets abandonnés dans la nature. Et ça, j'aimerais aussi là en appeler à la responsabilité individuelle pour respecter dite nature. Il y a aussi un problème par rapport au respect de l'interdiction des feux de forêt. Je rappelle que tout feu est interdit dans les forêts ainsi qu'à moins de 10 mètres de celles-ci. Et là, j'en appelle aussi à la responsabilité individuelle pour respecter ces normes. C'est évidemment pour des questions de préservation de l'environnement et de lutter contre des départs de feu qui malheureusement se sont produits, que cette interdiction a été émise par le Conseil d'État. J'aimerais aussi rappeler qu'il ne faut pas stationner dans les cultures, ça peut paraître être le bon sens, mais on l'a pu l'observer. Il ne faut pas aller pique-niquer au milieu des champs, au milieu des prés. Il y a des zones qui sont prévues pour ceci. Et évidemment, tout ceci en respectant la norme des 5 personnes et des distanciations. J'aimerais aussi ici rappeler aux communes qui ne l'auraient pas encore fait ou seraient en train d'y réfléchir que les déchetteries doivent absolument rester ouvertes. C'est des infrastructures qui sont indispensables pour garantir la salubrité publique. Une directive de l'OFEV enjoint les cantons à faire en sorte de laisser les déchetteries ouvertes et j'en appelle aux communes qui les auraient fermées à revenir à un processus normal. Maintenant, on voit qu'on s'inscrit dans la durée et donc de réouvrir les déchetteries qui seraient fermées. J'aimerais aussi rappeler à toutes les communes, tous les commerces, que le dispositif actuel reste valable jusqu'au 27 avril. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion à ce sujet. Et que les mesures de prévention et d'hygiène et de distanciation sociale vont perdurer bien au-delà du 27 avril, bien au-delà du mois de juin, très probablement. Et que dès lors, il faut absolument faire respecter le nombre de personnes par mètre carré dans les commerces, ainsi que la gestion des flux à l'extérieur et à l'intérieur des commerces. Ça, c'est vraiment important pour que le dispositif continue à produire ses effets, à savoir de limiter la courbe d'infection. Les hotlines sont toujours opérationnelles. Il ne faut non plus pas qu'il y ait de confusion par rapport aux questions qui sont posées et aux réponses qui sont données. Si on pose des questions quant au dispositif en place jusqu'au 27, on a la réponse du dispositif en place jusqu'au 27. Et si on pose une question à partir du 27, on a le futur dispositif dont on ne connaît pas tous les détails. Et là, je demande aux personnes concernées de bien vouloir faire preuve de la patience nécessaire pour qu'on obtienne toutes les réponses de Berne.
Il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore aujourd'hui flous, et ça, tout le monde le sait. Pour les facs, c'est exactement de ça dont je parle, c'est exactement la même logique. Donc, laissons aller encore quelques heures, voire le milieu de la semaine, et on aura des réponses définitives pour ce qui concerne le dispositif mis en place à partir du 27 avril. Merci beaucoup. Merci au chef MCC. Nous allons passer maintenant à la situation sécuritaire dans le canton et je passe la parole au commandant de la police cantonale, M. Jacques Antonin. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Le chef de l'MCC vient de vous le dire, le week-end a été relativement tranquille par rapport au nombre de dénonciations et d'amendes d'ordre qui ont été, ou qui ont dû plutôt être infligées par les forces de l'ordre. Nous en avons eu 44 dénonciations, 270 amendes d'ordre et 283 inscriptions au journal des événements pour ce week-end. Depuis le début de la crise, les autorités vaudoises, tout corps de police confondu, ont infligé 2831 amendes d'ordre, effectué 456 dénonciations au ministère public et 241 infractions aux différentes autorités communales pour des infractions au règlement général de police. Sur les infractions sérielles, les tendances qui vous ont déjà été données se poursuivent, à savoir que le constat est à la baisse. Il va même, vous avez les chiffres sous les yeux, mais jusqu'à une diminution de 75% pour les cambriolages d'habitation, ce qui est véritablement assez extraordinaire. Et c'est une constatation qui vaut non seulement pour le canton de Vaud, mais pour toute la Romandie, en tout cas. Sur le plan des violences domestiques, vous voyez ici le chiffre qui apparaît, 24 cas de violences domestiques durant la semaine écoulée, ce qui, évidemment, en soi, est un chiffre important, mais il faut le mettre en comparaison avec une semaine ordinaire et la semaine semblable de l'année précédente. Ça ne dénote pas une augmentation particulière du nombre de cas de violences domestiques. S'agissant du comportement des usagers sur les réseaux routiers, nous avons poursuivi nos contrôles de vitesse avec les radars mobiles et le radar semi-stationnaire, notamment dans les zones à risque telles que le Molon de Rue, comme vous avez peut-être pu le suivre. Le constat est relativement satisfaisant sur le plan de la proportion des usagers dénoncés, mais on dénote quand même une tendance assez nette de la part des usagers à avoir un sentiment de liberté ou d'impunité sur ces routes. Je lisais encore aujourd'hui dans un média, dans la bouche d'un psychologue du trafic, que les chauffeurs suisses ont un peu l'impression de se sentir seuls au monde. Mais je peux vous rassurer, l'idée de la police est qu'ils puissent continuer d'éprouver ce sentiment, mais tout seul dans une cellule, si ça continue de cette manière-là. Il y a véritablement une prise en compte qui doit être faite par ces gens qui considèrent qu'ils sont sur un circuit automobile plutôt que sur un réseau routier, quelque peu délaissé. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade sur les constats sécuritaires. Merci au commandant de la police cantonale pour ce bilan. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole au divisionnaire Yvon Langel, commandant de la division territoriale 1. Mon divisionnaire. Merci, monsieur. Monsieur le chef de service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud, monsieur le commandant de la police cantonale, mesdames et messieurs, en tant que commandant de la division territoriale 1, merci de nous donner aussi la possibilité de vous exposer ici les missions principales de notre grande unité qui couvre les besoins de 7 cantons, Genève, Vaud, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Berne et le Valais. Notre première mission est d'assurer la liaison avec les 7 cantons que je viens de citer. Cela se fait grâce à nos états-majors de liaison territoriaux. Un représentant militaire,
est présent dans chaque cellule de crise civile de ces cantons et qui assure le suivi et le lien. Il s'agit ensuite de coordonner les engagements de sûreté et de protection, comme par exemple l'appui à l'administration fédérale des douanes ou à la protection de sites diplomatiques dans le canton de Vaud, par exemple. Mais nous sommes là et nous sommes toujours prêts. Pour être efficaces, nous opérons depuis deux bases opérationnelles avancées, une à Bière, pas si loin d'ici, dans le canton de Vaud, bien sûr, et une à Genève. Dans le cas de la lutte contre le Covid-19, nous avons engagé sur le terrain le bataillon hôpital 2, dont les casernes et son encadrement se trouvent justement à Bière, et des recrues d'une école sanitaire. Ces deux formations assurent 25 missions d'appui dans le domaine des soins. Parallèlement, d'autres formations permettent de protéger et d'exploiter nos bases opérationnelles avancées et d'intervention. Ainsi, le travail des soldats sanitaires peut se concentrer sur leur domaine d'expertise au profit du système de santé du pays, alors que les missions traditionnelles de garde ou de protection sont prises en charge par d'autres spécialistes, en l'occurrence des recrues, maintenant soldats. À ce jour, nous avons contribué à l'action de 1 400 militaires dans notre secteur d'engagement. Parmi les facteurs de réussite, j'aimerais quand même souligner plusieurs points. Un dialogue permanent avec les différents partenaires civils et militaires, un pilotage efficace des états-majors de liaison territoriaux cotonaux par mon remplaçant et par l'état-major de division, une coordination précise pour l'utilisation d'infrastructures proches de nos lieux d'engagement, et enfin, notre division a convoqué une partie de son état-major de division, de milice, qui assure un suivi de la situation depuis 6 semaines, 7 jours sur 7, 24-24, et contribue à piloter l'action de ces 1 450 militaires. Mais les défis principaux pendant ces dernières semaines ont été de clarifier les rôles de chacun, de comprendre les intentions des autorités civiles et les transposer en prestations militaires pour notamment mettre en place l'infrastructure permettant de respecter les règles d'hygiène liées à cette pandémie, ça vient d'être évoqué par M. Froidebeau. La capacité d'adaptation et le travail des militaires engagés, je dois dire, sont impressionnants. Les retours des autorités et des partenaires civils sont vraiment positifs. Nos soldats font honneur à notre armée, aux soldats de milice, et je suis fier vraiment de leur travail. Aujourd'hui, plusieurs indices, et je pense qu'on va en parler plus avant, laissent voir une stabilisation de la situation au niveau des soins, et le dispositif d'appui par l'armée est solide. Cependant, des réflexions sont menées, car des défis nous attendent encore. L'armée réévalue son engagement en coordination étroite avec les autorités politiques et médicales de chaque canton. Une possible adaptation de nos dispositifs d'appui sanitaire se prépare en fonction de la stratégie de la Confédération et des besoins cantonaux, sous l'angle évidemment médical en particulier. Mais l'évolution de cette pandémie est inconnue, ça a été dit précédemment. Et nous devons, en cas de nécessité, garantir un appui dans la durée, c'est-à-dire pouvoir répondre à une charge peut-être moins aiguë, mais certainement étalée dans le temps. Et je profite pour vous montrer sur le slide qui est exposé devant vous l'état de situation quant à l'engagement sanitaire des troupes sanitaires dans le canton de Vaud. Vous pouvez voir les chiffres, c'est très fluctuant. Entre hier et aujourd'hui, nous avons plus 96 militaires, mais 99 militaires qui sont engagés dans les engagements dans les infrastructures hospitalières du canton de Vaud. 76 le sont dans 15 EMS, dans les 4 régions qui ont été déterminées dans le dispositif vaudois, 18 dans les hôpitaux du canton et 2 au SEM de Valorbe, donc le centre de requérants. Nous avons un certain nombre de militaires, vous pardonnerez le fait que je dise un certain nombre, puisque le dispositif est confidentiel, engagés dans des engagements de sûreté, notamment au profit de protection de sites diplomatiques. Je profite de cette occasion encore une fois pour remercier chaleureusement nos soldats, leurs familles, leurs employeurs, leurs proches, tant ceux qui sont au front que ceux qui sont dans les coulisses et qui œuvrent pour que ceux qui sont au front aient du succès pour nous tous, pour notre population, et qui sont capables de remplir la mission au mieux qu'ils le peuvent. Nous sommes là, nous sommes prêts et nous restons vigilants. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le visionnaire, pour vos propos et le dispositif qui est mis en place et l'appui qui est donné aux autorités civiles. Nous allons maintenant passer aux questions. Nous avons quelques questions. La première concerne le commandant de la police cantonale. Est-ce que la police est plus sollicitée aujourd'hui par la population qui dénonce leurs voisins pour du bruit ou d'autres dérangements pendant cette période de confinement
par rapport à la situation précédente et comment la police répond à cette problématique-là. Alors, la réponse est oui. Si on prend les statistiques, encore une fois, de la même période de l'année 2019, où on avait mentionné et retracé l'existence de 143 nuisances sonores durant une semaine, nous en avons, pour la semaine écoulée, 292. Donc plus du double de nuisances constatées, ce qui signifie évidemment qu'il y a une plus grande attention de la part du voisinage par rapport qui tout le monde est confiné par rapport aux excès, mais ce qui signifie aussi qu'il y a une grande attention qui doit être portée à ce niveau-là. Ça donne lieu à autant, la plupart du temps, de dénonciations aux règlements généraux de police des communes. Merci. Une autre question qui est destinée à M. Froidevaux. Est-ce qu'il y a plus de risques de faire de la randonnée dans les pâturages que dans les espaces au bord du lac ou en ville, par rapport à notamment la distance des 2 mètres qu'il faut respecter? Et puis, est-ce qu'on peut donner plus de précisions sur les lieux où les gens peuvent aller se promener en toute sécurité? Les gens peuvent aller se promener partout où c'est autorisé, sauf là où c'est interdit. Et la règle à respecter, c'est le nombre de personnes, maximum 5, et 2 mètres de distance entre les personnes, sauf évidemment les personnes d'une même famille ou du même couple. Il ne faut pas opposer les régions urbaines, les zones de détente avec l'arrière-pays et les zones campagnardes, mais il faut simplement que dans chacun de ces endroits, on respecte l'environnement, le mobilier urbain, la propreté, et puis également, évidemment, la biodiversité, c'est quelque chose d'important pour le bon fonctionnement de tout le système. Merci pour ces précisions. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que les différents intervenants veulent rajouter un complément au terme de ce point presse? Oui, monsieur le commandant. Je peux peut-être juste rajouter un élément en relation avec l'activité judiciaire de la police. Pour vous dire, pour informer que la police de sûreté, notamment, reprend son processus, non pas d'enquête, puisque les enquêtes n'ont pas été interrompues durant toute la période, mais d'audition. Là, il y a une cinquantaine d'auditions qui ont d'ores et déjà été planifiées durant la semaine à venir. Dans le respect, évidemment, des prescriptions en ce qui concerne la distance, et puis la protection des participants à ces auditions. Merci. D'autres remarques là par les intervenants? Si ce n'est pas le cas, on ne va pas prolonger ce point presse puisqu'il n'y a pas d'autres questions en ligne. Je vous remercie. Le prochain rendez-vous est fixé à vendredi, ici en principe à 16h, au terme de la séance du Conseil d'État. Donc il s'agira d'une conférence de presse du Conseil d'État. Merci, bonne fin de journée et prenez soin de vous.